le bassin versant du Vior, c'est plus de 2600 exploitations agricoles. L'activité économique principale, c'est l'agriculture. Donc l'objectif du PAT, du plan d'action territorial, c'est d'améliorer le fonctionnement des cours d'eau et de limiter le transfert des nitrates vers les eaux superficielles et souterraines. Nous avons différentes actions. Nous avons d'abord un volet de sensibilisation collective. Donc nous avons mis en place sous la forme de journées techniques. Ensuite, nous proposons aux agriculteurs des accompagnements thématiques suivant les spécificités de chaque exploitation. Donc nous proposons des diagnostics érosion, des plans de gestion de haies, la possibilité également donc, de réaliser des travaux de mise en défense des berges. Donc ces travaux-là visent à limiter le piétinement des berges. Donc pourquoi nous souhaitons limiter ce piétinement? Lorsqu'il est trop important, le piétinement des berges va entraîner de l'érosion des berges qui va entraîner les fines et les sédiments dans le lit du cours d'eau, entraînant le colmatage. Le piétinement va également dégrader les habitats piscicoles, dégrader la ripisylve et également donc avoir un impact sur la qualité, notamment bactériologique, de l'eau. Voilà, donc ces clôtures, c'est ce qui nous paraissait le plus opportun pour essayer de régler ce problème de piétinement et de température. Fait un couvert végétal, donc en termes d'amplitude thermique, donc de différence thermique entre la nuit et le jour, ben, il y a un ombrage, donc on va lutter contre le réchauffement des eaux et on va améliorer un petit peu l'aspect thermique. Ensuite, les animaux n'iront plus piétiner, on a simplement fait quelques accès, on en parlera tout à l'heure. Donc on va empêcher le bétail de déstructurer les berges, de les faire s'effondrer. Ça permettra un développement de végétation, de tenir les berges. Voilà, donc ces clôtures, c'est simple, on est sur un petit émissaire, il n'y a pas d'écrue non plus tous les matins. Voilà. Il nous paraît important de pouvoir inviter les agriculteurs à voir ce qui a été réalisé et à pouvoir leur rendre compte de l'amélioration de l'état du cours d'eau en fonction des aménagements qu'ils nous ont aidés à mettre en place autour de la rivière. Et cette démarche rentre dans une logique par rapport au syndicat mixte qui souhaite convaincre les gens des bonnes actions à mettre en place sans les contraindre par des restrictions financières. Et ainsi, ils participent activement aux différentes journées d'information qui leur sont proposées au rythme de une à deux journées par an sur chacun des secteurs. Je dirais que c'est plus simple pour un agriculteur de voir ce qu'a fait son voisin et de comprendre ce qu'il peut lui aussi réaliser sur son exploitation. Donc c'est le. Ouais, je ne sais pas comment on est orienté là. Les bâtiments qu'on voit à peu près là-haut, c'est la limite. Là. Les bâtiments blancs là, dès qu'on attaque au-dessus. Voilà. Les agriculteurs, il faut qu'on soit présent dans ce débat-là, quoi, entre en gros tout ce qui tourne autour de la nature, tout ce qui tourne des cours d'eau et l'agriculture. Quoi. Il faut qu'on soit là pour en débattre, montrer qu'on est capable de mettre les choses en place. Et montrer aussi qu'on peut vivre en harmonie entre ce qui protège la nature et ceux qui la travaillent, tout en ayant des discussions ouvertes, quoi, et on peut mettre pas mal de choses en place sans que ça gêne ni l'un ni l'autre. Notre devise au sein du syndicat mixte est notamment par rapport à ce côté mise en place de restrictions ou d'aménagements en bord de cours d'eau, ça a toujours été de convaincre sans contraindre. Donc nous avons toujours essayé d'expliquer clairement aux différents acteurs ce que nous souhaitions mettre en place, comment nous souhaitions le mettre en place. Et effectivement, ce genre de mesures nous demande parfois plusieurs mois de discussion et d'expérimentation avec les acteurs agricoles des différents secteurs du bassin du Vior. Mais là, il y a une mousse là. C'est bon. Dis-moi.